Depuis quand tout s'est évanoui, notre envie de sauver le monde. Est-ce que c'est ça quand on vieillit, s'habituer à ce que tout s'effondre, choisir le temps ou bien l'argent, jongler entre amour et amis, et laisser s'éteindre la flamme, autant que la flemme nous envahit. Depuis quand toutes ces habitudes et ces obligations nous mènent à vivre au rythme des cadences, des décadences de leur système qui pousse à délaisser ses rêves pour un taf, une situation. Est-ce que c'est ça devenir adulte, se faire à la résignation? Plus j'avance, plus je comprends. Quand on me disait, tu verras quand tu seras plus grand, ramenez-moi avant. Je comprends que le temps est assassin et qu'on ne fait que passer, qu'un jour ou l'autre tout s'éteint sans avoir commencé, qu'on passe les trois quarts de sa vie à s'enfuir, à se masquer, que la seule raison de voir ses potes maintenant c'est de faire soir, et qu'on s'accoutume à tout, qu'en fait on est comme tout le monde, un couple, un chien, un peu de sourd, et qu'on l'ennui nous inonde. On fait des enfants pour sauver le sens de sa vie, conscient qu'ils se rendront compte à leur tour de l'escroquerie. On s'habitue, on prend sa dose, on sait qu'on changera plus les choses, vaccinés contre les faux espoirs d'un monde qui tourne sans faire de pause. Plus j'avance, le temps de t'aimer, le temps d'avoir, le temps de voir toutes ces années passées à la vitesse d'un rêve qui semblait une éternité. Quand on était que des gamins, qu'on savait encore pleurer. Plus j'avance, plus je comprends qu'en fait on fait tout comme nos parents. Ramenez-moi au ballon dans la rue, à l'aventure, l'inattendu. Quand je m'étonnais encore des choses, je m'habitue même à la psychose, léthargique dans l'état d'urgence. J'avance là dans le vide immense. Est-ce la naissance de la vieillesse, accepter la mort de son enfance?